Crash Bandicoot, il était temps que tu arrives. Ça va être comme au bon vieux temps, sauf que cette fois, tout va se passer selon mes plans. J'ai apporté quelques améliorations à mon ballon. Une pluie de missiles de la mort géant. Punchbot part 2, déploiement. Fait amusant. Le Punchbot Mark II a une note 1 point supérieure au Punch... Oh, oh, le Punchbot Mark II doit te taper toi, pas moi. Oh, on va essayer ça. Tu voudras. Le missile anti-marsupio, c'est mon invention. Frappe ce port du coude, Punchbot. Tu ne joues pas selon les règles. Moi non plus. Oups, c'est moi qui fais ça. Tu le bandicoot, écrase le bandicoot, écrabouille-lui la tête. Je me demande ce qui va se passer si j'appuie sur tous les boutons. Subis le courroux de Cortex. Satané Bandicoot! Ah, on doit vraiment continuer comme ça encore et encore! Des mois, Crash! On va vraiment faire ça pour toujours! Oh. Je savais que tu ne pourrais pas gérer
La plus simple des tâches. Avance-toi tant que tu veux, j'abandonne. Si tu me cherches, je serai sur une île tropicale quelque part, seul. C'est parfait, car vois-tu, je n'ai plus besoin de notre alliance. J'ai trouvé un nouvel associé et un nouveau plan. Réparer tout ça dans mon dos. Évidemment, le générateur de failles a des capacités que ton esprit ne peut appréhender. Tu te contenterais de régner sur le temps et l'espace. Moi, je vais recommencer à zéro. Tout effacer complètement. Je vais réinitialiser la ligne temporelle et la reconstruire à ma convenance. Je vais devenir un dieu. Et ça veut dire que toi, tu n'existeras pas. Pas plus que ces masques stupides ou ces insupportables marsupiaux. Rayer de l'univers par ce pont, pompeux! J'aimerais bien voir comment il fera quand je lui aurai planté ce diapason dans le... Sauf si on l'attrape en premier. Il semblerait que nous ayons un ennemi en commun. Peut-être y a-t-il un moyen de mettre fin à ce cycle éternel, après tout. Mais je... Ok.